regarde un homme, naturellement. Mais qu'est-ce qu'il a, cet homme? C'est même à ça qu'on les reconnaît. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle rétro du connard en retard pour cause de maladie. Je suis Joseph Ali et aujourd'hui on poursuit les choix de la guest list avec celui du frangin Batlon et le premier film français de la rétro, Les Enfants du Paradis de Marcel Carnet. Vamonos! Alors, je peux m'en aller? Ben oui, vous êtes libre. Tant mieux, parce que moi, j'adore ça, la liberté. Ah, vous avez souri. Ne dites pas non, vous avez souri. Ah, c'est merveilleux. La vie est belle. Et vous êtes comme elle, si belle. Vous êtes si belle, vous aussi. Il va qu'on m'appelle aussi pleure-misère, qu'il lésineur, qu'il rat. Parce que je suis avare, comme un rat. Toujours cruel, Pierre-François? Je ne suis pas cruel, je suis logique. Depuis longtemps, j'ai déclaré la guerre à la société. Tous les gens qui vivent ensemble s'aimaient. La Terre brillerait comme un soleil. Baptiste! Elle est tuée, j'espère. Aussi, il fallait tuer tous les imbéciles. Évidemment. Et pourtant, ça simplifierait tellement les choses. Garance. Laisse-la parler. Je veux tout savoir de vous deux. Mais savoir ce qui me reste. Dans le Paris de 1930, Frédéric Lemaître, acteur en devenir, croise et fait la cour à Garance sur le boulevard du crime. Elle lui sourit et lui parle brièvement. Lorsque leurs chemins se séparent, elle est sauvée d'une erreur judiciaire par Baptiste, le mime qui la disculpe. Les trois acolytes se retrouveront au théâtre Le Funambule, théâtre populaire, où ils travailleront. C'est là le début de cette histoire merveilleuse, pleine d'intrigues amoureuses subtiles et de romances. La photo, c'est un beau noir et blanc. Bon, les extérieurs sont un peu surexposés, mais les intérieurs sont vraiment bons, on est parfois dans le grand art. Après, il faut tenir compte du fait que le film a été restauré et que certaines parties restent quand même assez abîmées. La réalisation de Monsieur Carnet est excellente pour l'époque, avec de très beaux plans et une excellente exécution. Il y a beaucoup d'inspiration et d'esthétisme. J'ai particulièrement aimé les jeux de flou qui sont gérés à la perfection, surtout pour l'époque. On a également de très beaux plans qui sont une sorte de témoignage social, c'est très agréable. La mise en scène, non seulement c'est de très haut vol, mais c'est maîtrisé à l'extrême. Un savoir-faire qui personnellement a su me captiver et me séduire, c'est efficace et classieux. Pour le scénario et les dialogues, nous avons la poésie et le côté social et populaire de Monsieur Jacques Prévert, excusez du peu. Le récit est narré à la perfection, avec précision dans la construction des personnages, mais personnellement, ce qui m'a littéralement conquis, ce sont les dialogues. Ils sont savoureux, une musique démo qui est un régal à entendre avec des punchlines comme on n'en fait plus. Vous êtes beaucoup trop belle pour qu'on vous aime vraiment. La beauté est une exception, une insulte au monde. Qui est laid. Rarement les hommes aiment la beauté, ils la pourchassent simplement pour ne plus en entendre parler, pour l'effacer, pour l'oublier. Cette écriture servie par la crème de la crème des acteurs français. Pierre Brasseur, c'est la grande classe, il arrive à être théâtral, élégant et parfaitement juste et crédible. Marcel Hérault, pareil. Les mecs de l'époque, c'était quand même autre chose que ceux de maintenant. Oh, c'est magnifique. Oh mon Dieu, c'est trop émouvant. Oh là là, ça fait peur. Oh mon Dieu, ce cul. Oh, imbécile. Tout de même, il n'y a pas à dire. C'est beau. Quoi ? L'instruction. Le métier sur le bout des doigts. Jean-Louis Barrault qui nous gratifie d'un numéro de mime parfaitement mené et le reste de ce qu'il fait est du même acabit d'ailleurs. Maria Cáceres est magnifique et livre ici une très belle prestation. On découvre aussi Jean Carmet dans un de ses tout premiers rôles. Et Arletty. Qu'est-ce que tu veux que je te dise sur Arletty?
Elle toute seule, elle est culte, elle est parfaitement utilisée ici. Elle livre une performance avec une évolution dans son jeu entre la première et la deuxième partie. C'est vraiment un travail excellent. Et tout le monde, comme souvent à l'époque, livre un travail très professionnel. La musique, elle est sublime et accompagne totalement les scènes dans le bon ton à chaque fois. Tout dans ce film est fait avec beaucoup d'âme, de cœur et de savoir-faire. On est face à un monument du 7e art qui ne souffre presque d'aucun défaut, hormis les quelques surexpositions, l'usure du temps qui passe et la restauration. La note, ce sera un 8 sur 10, mais bon, on s'en cague, moi je suis qu'un connard qui donne son avis. Les Enfants du Paradis, c'est un hommage aux arts des planches, au spectacle, avec les dénonciations qui vont de pair avec ces métiers. C'est aussi des histoires d'amour, des histoires de vie, et le métrage n'oublie pas d'en extraire ce qui en fait un divertissement pour le spectateur. On a le budget, les stars, les figurants, les plans qui nous montrent le Paris d'antan, et le théâtre où le spectacle se faisait autant sur scène que dans les coulisses, que face à la scène. C'est un très beau film avec des lignes qui sont des petits bijoux de dialogue. Vous avez la tête trop chaude pour moi, Pierre-François, et le cœur trop froid. Je crains les courants d'air. Je tiens à ma santé, à ma gaieté. C'est plus qu'une recommandation, c'est un passage obligatoire. Et si vous ne l'aimez pas, ben revoyez-le jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose qui sache vous satisfaire. Parce que le film est tellement riche qu'à coup sûr, vous trouverez un point ou plusieurs qui sauront vous séduire. Ça fait du bien de revoir du cinéma français de cette classe avec cette qualité. Merci au frangin Batlen qui, avec ce choix judicieux, aura su ravir mon œil connardesque. Voilà, ce sera tout pour cette rétro. Si c'est votre première fois et que vous êtes resté jusqu'ici, ben abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut, c'est gratuit. Comme commenter, partager, ça vous coûte rien et ça vous permet d'être généreux. Par contre, si vous êtes resté jusqu'ici, que vous êtes un habitué, que vous n'êtes pas abonné, c'est vicieux, c'est mesquin. Sinon, pour le soutien et le financement, devenez producteur associé en rejoignant les investipeurs sur le Tipeee du Connard. Le lien est en description. Je vous dis à très très vite pour une prochaine rétro du Connard. D'ici là, take care, cheers.